200 mètres. Papa, tourne à gauche, la médaille. Nous avons inscrit 3 Zoé au Rallye Monte Carlo Zen. C'est la partie donc Zen pour zéro émission, no noise. C'est la partie la plus verte du Monte Carlo des énergies nouvelles. Rallye Monte Carlo, il n'y a pas plus prestigieux. Donc ici, nous avons tous les concurrents électriques du marché. Le gros avantage de la Zoé par rapport à ses concurrentes, c'est que quand la batterie est vide, en se chargeant à 22 kW, en 1h30, la batterie est chargée. Alors que ses concurrentes vont mettre 7 à 8 heures de charge sur une borne de 3 kW. Ah, le couple qu'on a. Là, on est chronométré sur des portions de route du Monte Carlo WRC. Donc là, on est tout à fait dans la question de la sportivité et des qualités dynamiques de la voiture. Elle tient drôlement bien la route, elle tient quasiment, elle tient pareil qu'une n'importe voiture. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce rallye, c'est la réactivité du véhicule, notamment dans les épingles où on a dû les prendre très très serrées et il y a des appuis qui sont fabuleux. En effet, elle est beaucoup plus réactive dans les courbes, des accélérations beaucoup plus importantes, même aisance pour la maniabilité et la rapidité dans les épreuves. Là, aujourd'hui, on le prouve dans une, j'allais dire, une vraie vie, une vraie réalité d'un rallye qui était assez exigeant parce qu'on monte. On a, je crois, eu un moment plus de 500 mètres de dénivelé, même 700 mètres de dénivelé positif. Donc, on consomme beaucoup d'énergie, mais on en avait avec la Zoé. Donc, c'est une vraie satisfaction. Bah, mets un peu de frein, ça va nous faire remonter un peu la récup. J'ai récupéré 4 km d'autonomie. Ouais. Ça, c'est hallucinant la récupération quand même. 15 km de récup. Il faut jouer avec l'accélérateur et le frein, ce qui est particulier à la Zoé, c'est-à-dire qu'on joue aussi avec la pédale de frein pour régénérer la batterie. C'est-à-dire que dans les descentes, on utilise non seulement le frein moteur, et là, ça nous fait des kilomètres en autonomie en plus. 45, 10 secondes, elle tient super bien. Point stop, 52, 53. Yes. Alors au début j'avais une appréhension parce que voilà, conduire une voiture électrique, pas de bruit, la course c'est quand même le bruit aussi, ça fait partie. Si bof, voilà. Et en fait non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. La voiture s'est très bien comportée, le parcours était vraiment extraordinaire, très sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la régularité. Et en fait, conduire une voiture électrique dans les conditions d'un rallye, c'est comme conduire une voiture thermique, en fait, il n'y a pas trop de différence et je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Zoé Zoé.